dirigeants opposition dans la ville cap-haïtien qui a organisé samedi passé à l'occasion du 114e anniversaire de bataille vétère. Agent PNH Tabral Krasi, première fois maniflant dans rue de Ella, après discussion très animée qui a gagné entre manifestants avec policiers qui parlent de protestataires rentrés dans la ville là, côté cérémonie officielle qui a déroulé dans l'occasion, malgré c'était pas normal, dirigeants opposition te soumettent à la police là, manifestants yo tap suivre. N'a rappelé parmi objectif manifestation ça gain c'est exiger départ Jovenel Moïse et continuer mandé tout retrait budget 17 18 là en côté qui Jean Satayé mettait avec Wesley Pierre yon parmi organisateur manif là qui t'est monté en pile contre policiers yo qui pas voulu yo rentrer dans ville là. Fondi, toute l'autre tentative manifestant ont été fait, yo échoué. Gain tout élève lycée yo qui t'est rassemblé dans lycée Philippe Guerrier pour tal manifester qui t'est été bloqué en dedans lycée parce que la police t'a empêché de sortir. Comportement ça a levé plume sous dos divers employés lycée yo. Yon extrait. Jusqu'à présent, machine Simo devant, c'est que les élèves yo fin réunis en dedans qu'on a la yo a prendre tête puis prendre l'aria. On a machine dans camper en quoi il dit comme ça non que élèves yo pas supposé prendre l'aria. Qui ça qui bon justement yo j'ai pour empêcher les élèves yo sortir. Oui, il y a un élève qui te parle avec autorité ou même, parce que moi-même, quand je parle, c'est ma voix, c'est pas qui passe à ma présence même. Ou ça va à l'élysée? Yes. Il te vient parler avec l'élève. Il te dit, l'élève, il va recevoir l'autre pour pas quitter au point d'arrivée. Finalement, ça, l'élève, il fait. L'élève, il t'a chanté, voyez des slogans piqués dans la boîte, il est fini, il faut pas de plaisir. Ça, chaque monde cherche votre caille dans mon lieu. T'as semblé qu'un élève lycée pendant 4 ans, mais finalement, t'es joué une opportunité pour aller dans une zone côté cérémonie à Déouléa pour présenter. Revendication yo ba chef l'état pays a d'après sa nouvelle yo rapporté Jean-Paul Cap-Haïtien Vision 2000. À l'appel de l'opposition unifiée, des centaines de personnes ont manifesté samedi également dans les rues de la capitale pour dénoncer la remobilisation de l'armée et réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Les protestataires avaient bloqué la route de Delma à hauteur de Delma 22 à l'aide d'un camion citerne et mis le feu à un autre camion au Mont Lazare à Pétionville. Ils avaient également cassé les pare-brise de plusieurs véhicules. Suivez. Les députés Lavalas, Printemps, Belize, Riman et Sloé qui participaient à la manifestation accusent des proches du pouvoir d'avoir lancé des pierres en direction des protestataires. Ces parlementaires ainsi que l'ancienne ministre à la condition féminine Marjorie Michel se sont prononcés contre le retour de l'armée. Leur déclaration. Nous avons une manifestation qui a déroulé d'une manière très très pacifique et nous faisons tout parcours là, sorti au niveau du centre-ville et parcourir l'autoroute de Delma pour arriver à Pétionville et arriver à Pétionville et nous descendons sous Boudon. Et nous avons ensemble des attachés
attaché que yo identifie clairement avec Badjo comme attaché ministère de l'intérieur et bien qui voyait roche son manifestant tiré son manifestant et nous bon machine qui brûlait que nous même nous déplorer parce que jodi là pendant que n'a manifesté pacifiquement dans la rue nous pas accepter monde utiliser la violence contre des paisibles citoyens donc nous même nous déplorer ça et vous sympathie nous donc moun sa yo yo clairement identifié avec du batch ministère de l'intérieur. Écoutez, rive Delma 24 nous est tiré et non on a parlé d'incident qui dans monde Lazare. Oui, incident qui dans monde Lazare nous est en pile nous au campé en l'air, on aller Badjo, la police a pas avancé, on aller Badjo, yo montrer c'est attaché ministère de l'intérieur que oui. Donc ça veut dire aujourd'hui là, il y a une tentative pour casser institution policière là pour Jovenel capable réimplanter contre Thomas Koutsan dans pays là. Il y a une tentative pour arriver casser toute mobilisation qui gagne dans la rue. Aujourd'hui là nous ouais, c'est un refus tout à fait total que population manifester contre le retour de contre Thomas Koutsan. C'était guerre wash dans mitan population, dans mitan manifestant. Wash dans mitan moun en les monaza. Donc écoutez, ou t'es fait tout parcours en tant que journaliste avisé, pour couvrir tout parcours manifestant, ou moun y a manifesté pacifiquement. Et si on arrive dans des deux côtés qui étaient échange des wash, c'est parce que manifestant ont été attaqué par des bandits du pouvoir. Donc ils ont même été défendre tête avec wash, on bagaille regrettable que nous-mêmes nous pas souhaité. Donc agent PNH arrivé dans une situation. Donc ils ont été dépassés par les événements, donc ils ont été obligés d'utiliser gaz lacrymogène, même tout petit gaz. Bon, point gaz lacrymogène, moi ma première fois ma poil depuis sous la médaille ici ma poil au contraire chaque année nous prenons gaz, c'est l'huile que vous mettez sous moteur de mobilisation. Yo arrêté parce que me un jeune garçon dans machine là, c'est unique comme ça. Bon, bon mon yo t'a arrêté et agent PNH yo libéré lui. Donc pas un jeune garçon que je t'a tenté prendre mes agent lui même qui libéré. Et bon gain au monde que agent PNH t'a arrêté et par rapport avec toute cacophonie qui t'ai gain dans tirer roche. Donc lui même il pas t'a tirer roche. Et quand il a couru, il a arrêté lui. Et puis, donc après, il a été remetté parce qu'il a réalisé qu'il n'est pas dans le roche. L'armée Jovenel Moïse a fait, il prend le KEP pour exécuter les gens de manière sommaire, pour être capable d'essayer de prendre tout l'État et pour pérenniser la tête sur le pouvoir. On va retourner sur l'incident qui passe dans la manifestation. Eh bien, son manifestation qui a déroulé pacifiquement, la police a fait un pile faible, côté où a accompagné la population, et les gens ont un symbole côté où il y a un monde, il y a un portrait comme si il n'y a pas d'accord à la mère. Eh bien, étonnamment, il y a un ensemble de monde qui réclamait de PHK. Qui monte au monde, qui a lancé roche sur nous, qui a tiré sur nous. Donc, c'est partisan pouvoir qui a fait ça maintenant. Génération, non. Nous connaissons la mer d'Haïti symbolisée par les Haïtiens. Nous-mêmes, nous disons non. Il faut que nous passions par la conférence nationale pouvoir. Nous passions inévitablement parce que nous constatons tout système non en faillite. Il faut que la conférence nationale souveraine, non. Il faut que l'État général nation pour nous redéfinir l'institution, pour nous bailler l'institution, mission qui pour gagner côté que nous capables d'équilibrer une société qui nous vous proposons d'écouter à l'instant les témoignages des chauffeurs des deux véhicules attaqués par les manifestants. Mais bon, n'est-ce pas, je vais vous dire, Et puis de là et puis chaque monde gagne intention, chaque diable crasé direct dit non, gagne dit non, chaque direct dit oui, et puis ça qui fait mal là, lui-même qui passe. Ou pas de parler l'aide, ou pas de faire. Non, on parle, 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 on qui est à terre là. Mais bois ça, c'est bois que tu es supporté et conditionné ou bois qui boit? Bois moi qui. Oui, en bambayolte.
Manifestation également à Saint-Marc samedi dernier à l'initiative de l'organisation dénommée Moussa. Les protestataires entendaient réclamer notamment l'arrestation de tous ceux qui ont dilapidé les fonds Petro-Caribé et le retrait du budget 2017-2018. Correspondance, c'est Facile Guiliano. Sous initiative Mouvement pour sauver Haïti, Moussa, plusieurs jeunes garçons et femmes manifestés dans diverses zones de Ville-Saint-Marc, juin samedi 18 novembre 2017, là, dans l'occasion du 114e anniversaire bataille vertière. Manifestants ont demandé pour le gouvernement de descendre le prix gaz là sous ma chair. Ils ont continué à dénoncer Bikéa, ils ont critiqué façon chef l'État voulait tourner à la médaille ici. En suivant l'histoire. Après qu'on ait manifesté ça, c'est déroulé en bas de joie sécurité à Jérémy Bonneville, et il était fini sans incident. Guyliano, c'est facile, c'est Mac. Radio Vision 2000. Une délégation conduite par le coordonnateur de la caravane du changement, l'agronome Jacques Thomas, était dans le département des Nippes ce week-end en vue d'évaluer les travaux réalisés dans cette région. L'ex-ministre de l'Agriculture et de l'Agriculture s'est montré insatisfait. Les détails avec Anne-Myriam Loiseau. Une délégation qui gagne en tête le coordonnateur caravane changement, tenant dans le département Nippes pour qu'elle passe à objectif visite ça, c'est pour garder ouais comment caravane a marché et qui amélioration l'a déjà apporté dans divers problèmes habitants département. A fait face. Non, si t'as parlé, il était gagné avec la presse locale. Agronome Jacques Thomas, qui a dirigé caravane, montre le pas trop satisfait de réalisation activité ça pour Tenani. Ancien ministre agriculture, qui parlait de nécessité qui gagne pour toute couche dans la société à sentir présence et bénéficier de passage caravane, promet pour la sensibiliser responsable ministère prioritaire pour action concrète qui a posé dans l'intérêt population. Agronome Jacques Thomas. Il faut continuer pression, mettre pression sur le bureau central. Parce que ça, nous voulons vraiment déconcentration, il faut le faire. Ça veut dire que pour que direction départementale, le président répète encore, les directions départementales va être le bras opérationnel de la part. Et pour un exemple qui est au niveau du ministère de l'Agriculture, on transfère le fonds. C'est-à-dire que je veux dire, je suis capable de tout mettre en compte. Maintenant, pour régler la difficulté, et nous voulons que pour Ministère de l'Environnement, c'est même pas à la volonté. Et nous voulons que pour que Ministère de l'Agriculture, c'est même pas à la volonté. Pour qu'en fin de compte, les directions départementales soient capables de gagner les moyens pour être capables d'exécuter le programme. Pendant la visite l'IA, ancien ministre Jacques Thomas a visité l'État de Miragouane pour garder qui disposition au Capra pour sauver le patrimoine ça, estimé qu'il est en danger. Depuis 1er juillet, caravane a campé dans le département Nip. Responsable parlé de un pépinière 4 millions de pieds bois, il a déjà fait dans Fort des Nègres pour 11 communes département. Et pour éviter inondation, il a parlé de gros opérations nettoyage, il a réalisé notamment dans Grande Rivière Bagadère, Grande Rivière Nip, Rivière Froide, Rivière Chalier, pour ne citer ça seulement. Anne-Myriam Loiseau, métropole de Miragouane pour Vision 2000. Lancement hier de la troisième édition de la semaine de la caravane des droits de l'enfant dans le département de l'Artibonite, une initiative de l'Organisation des enfants chrétiens d'Haïti qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant célébrée le 20 novembre de chaque année. La troisième édition de la caravane des droits de l'enfant s'éteindra jusqu'au 26 novembre prochain dans trois communes, à savoir Gonaïves, Dédune et Lester. Elle vise à sensibiliser la société sur la nécessité de respecter et de faire respecter les droits des enfants. Écoutez les déclarations du pasteur Abceste Dacéus, président de l'OECH. Troisième édition Caravane Droit Timoun du 19 au 26 novembre, c'est exactement dans l'occasion Journée internationale Droit Timoun. Donc c'est exactement dans l'objectif que l'OECH les gagne des activités pour les capables de faire valoir ce que Timoun yo gagne comme droit. Donc nous-mêmes, nous pas contentons-nous
pour nous faire activité non seulement un grand jour, soit 20 novembre, mais nous avons activité nous qui étend sur toute une semaine et qui a pu couvrir trois communes dans l'Artibonite. C'est la commune de Gonaïves, la commune de l'Esther et la commune de Dédune, pour nous capables de faire valoir ça que nous avons gagné comme droit. À Jérémy, des habitants de la localité de La Borde ont gagné les rues ce week-end pour exiger du courant électrique. Environ une soixantaine de jeunes ont participé à un séminaire de formation et à Jérusalem 8, l'un des quartiers du bidonville Coura Sesles, une initiative de l'Organisation pour le développement durable de Jérusalem 8, au JDD J8, et développement personnel, gestion et création d'entreprises sont entre autres thèmes qui ont été débattu à ce séminaire de formation selon le coordonnateur général de OJDD J8, Gerto Saint-Louis. Nous avons environ 70 jeunes qui participaient dans le séminaire. Le séminaire est un séminaire gratuit. C'est membres d'organisation qui sont censés arranger et contribuer à ce gain qui mettait à la disposition de la population un grand séminaire. L'organisation a pour le délivrer un certificat by chaque participant. Ça nous a espéré. C'est une formation, ça a fait chemin. Fait chemin pour nous dire, les gens qui ont un sac de la vente pour le transformer en bon business, les gens qui ont un bon business déjà pour le faire en entreprise, au moins pour créer un job, faire l'argent circuler dans la zone, de telle sorte que tout développement peut aller plus rapide. Nous avons l'autre initiative, que nous avons chuté avec le comité exécutif là, de telle sorte que pour nous avoir quelques projets qui sont plus vital pour les jeunes, qui sont plus vital pour la zone, pour nous capables d'offrir à la population en 2018. Nous-mêmes, nous sommes jeunes. Qui vivent dans Jérusalem 8, notamment Jérusalem 8 développé, notamment Jérusalem 8 venu en belle ville, même sur tout l'autre côté. Et puis tous nos jeunes qui vivent dans Jérusalem 8, nous avons demandé à l'organisation pour aider nous. Nous bénéficions de la formation que nous avons payé pour nous apprendre ce ministère, nous ne pouvons pas payer. Je sais qu'on a parlé d'entrepreneurs, je sais qu'on a parlé d'hommes d'affaires, de business, mais pour que les gens comprennent qui ça a créé un businessman, qui ça a créé un entrepreneur.